Bonjour à tous, c'est John et on se retrouve pour le quatrième épisode de votre Let's Play sur Real Myst Masterpiece Edition. Alors, la dernière fois, on avait terminé l'histoire en nous rendant dans l'âge de Rhyme. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on explore ensemble les easter eggs, les œufs de Pâques, comme on dirait en français, tous ces secrets qui ont été laissés dans le jeu par les développeurs. Pour ça, je vais m'aider d'un guide que j'ai trouvé sur Steam. Il s'appelle Easter Egg Guide, tout simplement, et il a été écrit par Twitch. Voilà. Alors, Twitch, pas la plateforme hein, de streaming, mais une personne dont le pseudo sur Steam est Twitch. Je vous laisserai le lien dans la description. Alors, on se retrouve dans la bibliothèque parce que le premier secret se trouve sur l'île de Myst. On va aller sur les quais. Vous allez voir, cet épisode va être rempli de coupures, à mon avis. On va sauter d'un endroit à un autre pour trouver les différents secrets. Et du coup, je ne sais pas encore du tout combien de temps va durer cet épisode. Peut-être qu'il sera court, peut-être qu'il sera long. En tout cas, on va tout couvrir. Et puis voilà quoi, petit épisode du chill, où on va voir un peu les délires des développeurs de cette version de Myst. Le premier se trouve dans la vigie du bateau qu'on a sorti de l'eau. Et c'est une référence qui m'a beaucoup plu, vous allez voir. Alors, si on monte au cordage, comme ça, voilà. Déjà, il faut s'en rendre compte qu'on peut faire ça. Si on monte au cordage, hop, par là, et ensuite en suivant cette corde-là, voilà, on peut arriver dans la vigie et voir déjà de loin cette dague. C'est une dague qui apparaît dans Riven. Voilà, et si on, hop, si on regarde ici, il y a deux têtes gravées. Hop, ce sont les têtes de Jamie et Adam, qui sont en fait les deux présentateurs de l'émission MythBusters. Voilà. C'est une émission dont j'ai parlé, que j'aime beaucoup, hein, et dont j'ai parlé dans le 9e épisode de la 2e saison de Drink and Click. Voilà. Une émission de vulgarisation scientifique, on pourrait dire, un peu délirante. Et en fait, ces deux personnes sont connues pour avoir travaillé dans le monde du cinéma et pour avoir fait des effets spéciaux et des accessoires. Et c'est en fait Jamie, ici, qui a construit la dague qui a été utilisée ensuite dans Riven. Du coup, voilà, à mon avis, en remerciement, dans cette version de Myst, on trouve sa tête et sa dague. Voilà. Et forcément, il y a Adam avec, puisque c'est un duo bien connu. Et je trouve ça très très cool. Voilà. Du coup, la suite. Bien écoutez, pour la suite, je vais couper. Et on se retrouve où? Peut-être dans l'âge mécanique. En tout cas, ce sera dans un autre âge. Je vais voir. Je sais pas encore, vu qu'il faut que je déroule le guide au fur et à mesure sur mon autre écran. À tout de suite. Nous voilà dans l'âge mécanique pour un petit easter egg laissé par quelqu'un qui s'appelle Dexter. On est dans la cache secrète de la chambre d'Akenar. Et du coup, quand on regarde un peu, voilà, quand on regarde la hache, on peut lire, c'est vraiment fin, mais on peut lire le nom Dexter dessus. Voilà, ça se devine. Si on met là, voilà, si on met la torche sur le bord, on peut voir Dexter. Et en fait, c'est vraiment, vraiment plus le truc qu'il faudrait regarder avec soit une extraction des objets 3D du jeu, soit avec une caméra libre, un outil de triche en caméra libre. Mais là, on peut déjà le voir, ce Dexter. Alors, selon comment on est tourné, il y a plus ou moins de flou, ainsi de suite. Mais voilà, ici, je trouve qu'on arrive à le voir, même à la capture. Dexter. Voilà.
et en dessous c'est marqué was here, mais pour arriver à capter ça, bonjour quoi. Même sur les captures d'écran du guide, où le mec s'est vraiment embêté à avoir des super bons angles, on a du mal à le voir. Du coup, voilà, et vous voyez que quand on avance, ça met un petit effet de flou. Alors est-ce que je peux l'enlever, ce petit effet de flou là? Ouais, non, je pense pas. Max. Ah, Bloom, ambiante occlusion. Tiens, si on met en low, on enlève tout ça, vas-y. Je vais redémarrer le jeu, vous savez quoi? Je vais faire une petite sauvegarde ici. Et je vais, hop, voir si on peut arriver à avoir un meilleur résultat avec tout en diminuant tout. Je vais tester 2-3 trucs, on se retrouve. Me revoilà. Donc là, j'ai trouvé un angle où on arrive à le lire. Voilà, Dexter was here, en bas. Alors il faut bouger comme ça, et à force on le devine. Mais vraiment, c'est tout ce qu'on a. Hein. C'est... Là, on est au masque. Hein. Oh, au masque. Au max. Voilà, ça devient flou. Même en basse qualité, ça devient flou. Donc là, voilà. Voilà, c'est le petit... je comprends. Je comprends qu'on mette son nom dans un jeu sur lequel on a travaillé. C'est plutôt cool. J'aime bien... Franchement, j'aime bien ce genre de truc, moi. Donc c'est pour ça que j'y passe un peu de temps. On se retrouve sur le prochain. À tout de suite. On se retrouve dans l'âge du bateau de pierre, dans la chambre d'Akenar, toujours aussi bien décorée, faut pas trop regarder le lit, mais voilà. Et on va avoir un secret dans cette commode ici, où on avait trouvé des cartes. Alors, il faut activer l'imagier ici, qui transforme une rose en crâne, il faut la mettre en crâne. Et en descendant, il y a une combinaison d'ouverture et de fermeture de tiroir à faire pour trouver le secret à la fin. Donc il faut 1, 2, 3, 4, ouvrir le quatrième et le fermer. Ouvrir le sixième, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouvrir le deuxième. Fermer le sixième. Hop, ferme. Ah ! J'ai mal fait. Alors, on le refait. Clac, clac. Ensuite, c'est 6-2, 6-2, et puis on ferme dans le même ordre, 6-2, et dans le dernier tiroir, voilà, il y a cette photo qui apparaît, qui est une photo dédicacée de Jeff Dunham, qui est un comique américain ventriloque, qui avait fait un sketch avec cette marionnette à l'époque des attentats du 11 septembre, un peu après, en fait. Et c'est un personnage donc de terroriste qui est mort, et dont la réplique c'est « I kill you ! I kill you !» Et donc voilà, c'est cette sorte de terroriste complètement fou. Qui discute avec ce gars qui est le mec saint d'esprit qui lui répond. Donc voilà, c'est vraiment dans un contexte très particulier post 11 septembre. Et voilà, donc ils ont réussi à avoir une photo dédicacée de ce mec et à la mettre là. Le personnage de la marionnette s'appelle Ahmed, le terroriste mort, voilà, qui dit... C'est disponible sur YouTube, j'avais vu ça à l'époque sur YouTube. Donc, ah bah voilà, on peut l'avoir en grand en plus. Et voilà. Donc, à mon plus grand fan, voilà. Ahmed, I kill you! Voilà. Donc c'était vraiment ce... Je pense que ça a fait du bien à certaines personnes... Pour évacuer un peu les gros sentiments qu'ils ont eu là-bas après le 11 septembre. Du coup, ça a fini dans Real Mist. C'est-à-dire que voilà quoi, le monde est quand même assez dingue, je trouve. On se retrouve pour le prochain, à tout de suite. Nous nous retrouvons cette fois dans l'âge sélénitique, dans la nacelle du plaisir, pour parcourir encore une fois ce labyrinthe du bien-être. C'est parti. En fait,
quand on suit une direction, voilà, quand on suit une direction qui ne va pas jusqu'à la sortie, dans ce labyrinthe, on peut trouver un petit secret, donc on va y aller ensemble, c'est assez long. Je viens de le faire pour vérifier, vraiment c'est un peu long. Donc je vais vous faire les premières étapes. En fait, on peut pas sauter. Dans le jeu original, on pouvait sauter ces passages-là, ces petites vidéos, les vidéos, voilà. Mais ici, bon, si je fais échappe, il n'y a rien qui se passe. Donc, on va quand même faire le changement de direction ensemble. Ici, on est allé au nord, maintenant, il faut aller à l'ouest. Mais il y a autant d'étapes que si on essayait de sortir du labyrinthe. Donc bonjour. Ensuite, c'est nord. Hop. Et voilà, et là, à partir de maintenant, ce que je vais vous faire, c'est vous passer la vidéo, quand même. Pour pas que ça dure des plombes, j'aimerais vraiment avoir une vidéo courte, un petit catalogue comme ça de secrets, assez court. Donc ici, deux fois à l'est. Je vais avancer à l'est deux fois, attention, hein, deux fois, et on se retrouve, à tout de suite. Voilà, deux vidéos sont passées, maintenant, on va aller deux fois au sud. Hop, c'est parti, on se retrouve une fois arrivé deux fois au sud, attention. On arrive, maintenant on va aller à l'ouest. C'est parti. Ici, on va au sud-ouest. Je vous récapitulerai tout ça à la fin. Donc sud-ouest, c'est parti. Arrivé ici, ce sera à l'ouest. À cette étape-là, on continue vers la droite pour aller au nord-ouest. Et c'est ici que le chemin change par rapport à celui qui mène à la fin. Donc si on veut aller à la fin à partir d'ici, normalement on ira au nord-est, puis au nord, et puis au sud-est. Voilà, nord-est, nord-sud-est, et là on sort du labyrinthe. Mais ce qu'on va faire plutôt, c'est aller à l'ouest. Ensuite, quand on sera arrivé, on ira au nord, et on aura fini, à peu près. Vous allez voir, donc le nord c'est par là. Et là, on a fini de voyager. Et vous allez voir le secret. Ça prend deux secondes à chaque fois, mais ça prend du temps pour y arriver. Mais ça fait toujours plaisir. Moi, ça me fait toujours un petit quelque chose de voir ce genre de choses, par exemple. Voilà. Un malchanceux qui a fini peut-être écrasé dans un éboulement, on ne sait pas très bien. Mais en tout cas, voilà, c'est juste la nacelle, une nacelle écrasée, une nacelle accidentée. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas aller par là dans cette version du jeu. C'est quelque chose qu'on aurait vu si j'avais fait la map dans cette version du jeu. Mais comme c'est pas un secret de la version originale, tout ce qu'on avait à l'époque, c'était une porte rouge, j'imagine. Un peu comme celle qu'on va voir ici, voilà, ici. Donc, c'est tout. Voilà. J'aime bien ces petits secrets, qui sont juste des petits clins d'œil comme ça, des petites choses rajoutées, et qui finalement nous prennent pas trop de temps à regarder, en tout cas en vidéo. Du coup, on se retrouve, je crois qu'on se retrouve à Rheim, devant l'imagier, on va voir. A tout de suite. C'était bien ça. Il va y avoir beaucoup d'images à regarder, en fait, à travers cet appareil, avec cet appareil. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? En fait, il y a 17 autres solutions que celles qui nous mènent à Riven. Du coup, il y a 7 combinaisons qui vont nous donner des aperçus d'un âge, voilà, qu'on appelle communément, comme il dit, l'âge puzzle, ou l'âge de la patate cuite, voilà.
on va voir. Et en fait, c'est un âge qui a été aussi utilisé pour faire la montagne qu'on trouve dans l'imagier de l'île de Myst, derrière la porte, à côté des quais, là. Du coup, le premier, allez, c'est parti. On va faire le premier ensemble, hein. Et puis après je vous sauterai les 16 autres combinaisons, et on verra les 17 ensemble. Les 7 premiers, ça va être des aperçus d'âge. Ça crie un peu dans mes oreilles, attendez, hop, je baisse. Voilà. Donc je disais, ça va être des aperçus d'âge, et les 10 autres, ça va être des vrais... easter egg, des vrais trucs rajoutés par les développeurs, photos du bébé, machin truc, vous allez voir. Alors, le premier... Attends, non, comme ça. Pour rester appuyé pour changer les couleurs, c'est bien ça. Donc c'est vert comme ça. Alors, on va déjà trouver à chaque fois la bonne forme. Hop, ça c'est bon. Ça c'est pas bon, ça c'est bon, et après il y a une sorte de... Ouais, truc comme ça, c'est ça. Donc ici il faut qu'il soit bleu clair. Voilà, ici il faut qu'il soit violet. Très bien, la rose. Magenta. Je sais pas trop comment on appelle cette couleur. Celle-là. Et un rouge. C'est bon. Celle d'après. Voilà, et là, normalement... Tadam ! Voilà, c'est juste une petite image, hein, attention. Un vieux rendu 3D d'une île qu'on ne verra jamais. Mais voilà, on va avoir quelques aperçus comme ça de cette île mystère. On se retrouve pour la prochaine combinaison. A tout de suite. Pour cette prochaine combinaison, il a juste fallu faire avancer les couleurs d'un cran à chaque fois. Rien changé d'autre, et voilà. Encore, cette fois-ci, c'est à l'opposé, j'imagine. Très bien. C'est vraiment spartiate, j'ai envie de dire. Ah, mais à chaque fois, ça a l'air d'être ça, en fait. On fait avancer d'un cran la couleur. Là, ça va passer au rouge, là, ça va passer au jaune, et là, ça va passer au vert. Tac. Et ça nous en donne, voilà, un autre angle. D'accord. Donc toujours pareil. On peut le faire ensemble, ça. Tac. Donc jaune, c'est bon. Ouais, jaune, c'est bon, c'est ça. Et là, bleu clair. Yes. Ok. Encore un autre angle. Très bien. Ça me donne envie de me balader dedans, hein, même si c'est tout moche. Alors, prochaine, encore une fois. Ouais, c'est ça. C'est ça le truc. Bon, c'est pas trop casse-tête. Voilà, un petit chemin, très bien. Le guide nous dit quoi sur ça? En fait, c'est des variations d'une combinaison incomplète dans le journal qu'on trouve à l'étage. Ok, donc là on était sur le petit chemin. C'est bien, je peux vraiment scroller dans le guide. Tout en venant sur l'écran. À droite, mon curseur quitte l'écran. Alors, maintenant, un autre aperçu. Jaune, vert, bleu, violet, rose. Voilà, très bien. C'est vraiment... Faut vouloir y aller, faut vouloir le voir. Alors je sais que là on est au bout de la patience que vous pouvez m'accorder sur Myst, hein. C'est, je suis en pur délire obsessionnel personnel, hein, évidemment. Hein. Mais voilà, pour ceux qui me suivent dans ce genre de délire. C'est marrant ça. Ah, attends, c'est ça qu'il faut changer encore. Paf, voilà, évidemment, là c'est tout ça, ça change tout. Alors, maintenant... maintenant, il y a beaucoup de combis, mais qui sont encore des changements de couleur. Ouais, c'est cool. En fait, ça va. À chaque fois... Ah, c'est pas que des changements de couleur. Il est 6... On arrive sur quoi? Sur 10 solutions différentes. Changement de couleur pour les 6 premières, avec les mêmes formes.
Et pour les 4 suivantes, même forme aussi, donc... mais là, c'est beaucoup mieux. Enfin, beaucoup mieux. Bah... C'est autre chose. Voilà, c'est autre chose. Donc... je vais faire une coupure pour mettre la première. À tout de suite. Voilà la configuration des formes et la configuration des couleurs pour la première image qui va être une petite photo de l'équipe en randonnée. Ok. Alors j'imagine que c'est les développeurs, hein. J'imagine. Donc c'est des photos prises ouais, par les développeurs de Cyan, donc de Cyan. Ah, j'aimerais bien en savoir plus sur ces gens du coup. Ok. Alors, la prochaine, c'est jaune, rouge, donc voilà, c'est un cran plus loin à chaque fois, rose, violet, bleu, et cette fois-ci, attention, Internet va exploser, c'est une photo de chat, voilà. Ah ouais, quand c'est vraiment, quand on dit que c'est des secrets de développeurs, c'est vraiment ça, quoi. Alors, mais il est magnifique ce chat, n'empêche. Trop mignon, un petit chat, j'aime bien ces chats comme ça avec plein de couleurs. Je suis pas forcément un homme à chat, mais je suis plus un mec à chien. Je suis un punk à chien évidemment, de l'internet. mais voilà, j'aime bien les chats aussi, j'aime bien tous les animaux en vrai. Alors, yes, oh oui, carrément. Oh, je les ai! Attends. Scène. Ah non, 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 je l'ai pas. Behind the scene. Ré. Sections. Ah non, 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 je l'ai pas ça. Attends. C'est marrant, c'est quoi ces bouquins? Game. Non, non, non. Exclusive. Je sais pas quoi. Oh, la résolution est pétée. Donc là, c'est des. Là, c'est Myst. Combien? Myst 5, Myst Uru. Ça je sais pas, j'arrive pas à voir, ça c'est les jeux en boîte, mais là ça doit être la version Jap en plus, trop bien. Là c'est un cône de chantier avec des trucs écrits dessus, et là c'est une tasse de Myst, un mug. Et ça je me demande ce que c'est parce que, attendez, je vais aller voir, ce petit logo là en bas du bouquin, est-ce que c'est les mêmes que... Et ouais, c'est la même éditeur, attends, hop. Ah le câble commence à être court, vite. Donc, attends, c'est quoi? Maps, machin. Donc c'est cet éditeur qui s'appelle Prima, P-R-I-M-A, qui a fait notamment les guides officiels stratégiques, enfin les solutions quoi, en anglais du jeu. Du coup, ils ont fait des trucs sur d'autres choses, et c'est cet éditeur qu'on voit là. Hop. Et dans ma collègue, j'ai Miss Triven et Exile, qui est le troisième. J'ai aussi Half-Life, on en reparlera. Mais c'est pas... Attends, le Half-Life que j'ai, c'est... Ah si, c'est Prima aussi. C'est un bouquin de... Combien de pages, ce truc? J'avais trouvé ça dans une brocante, ou je ne sais quoi. Mais celle-là, c'est la version française. Pour 99 francs, à l'époque. Donc ça a été fait quand, ça? Bon, j'en reparlerai. J'en reparlerai dans le Let's Play de Half-Life qui arrive. Mais il y a 310, 300... 320, oh là là. En tout, il y a 326 pages, quoi. 326 pages de secrets de Half-Life, dans lequel on t'apprend à tourner autour des ennemis, et ainsi de suite. Du coup, bon, c'est collector, quoi, tu vois. Alors, on va retourner sur le PC. Hop. Pour le prochain... Alors celui-là, attention, hein, ça commence à devenir un peu nimp. Évidemment, le guide me les spoil. Voilà, un coin de toit. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Du coup, celui-là, on va le passer assez vite. Hein. En effet, très belle charpente, mais très beau travail du bois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, dans la miniature du truc, j'arrive pas à voir. Je suis intrigué. Ah, raté. Tac, tac, tac. Non, c'est bon. Ah, très bien! Un gamin dans une... D'accord, c'est pour ça. Je me demandais pourquoi il y avait une tête qui dépassait d'une voiture. Mais non, mais c'est un gamin du... C'est un des gamins des développeurs avec une petite voiture pour enfants. Très bien. Une Ford, j'ai l'impression. Très bien. Ensuite... Voilà, à chaque fois, c'est un cran. Vraiment, ce guide est très bien fait. Ok.
Ok, les pingouins montent en premier dans une... Ah, roller coaster dans des montagnes russes. Il faut être au moins aussi grand que ça pour rentrer. Voilà, très bien. Ah non, mais après, c'est n'importe quoi. D'accord. Il y en a deux. Trois intéressantes. La prochaine, elle va être un peu différente. Alors ici. Déjà, il faut trouver le bon cristal. Voilà, la config va être un peu longue à trouver. On zappe. Voilà, c'était pas si long que ça, en fait. Ces quatre-là, il fallait les faire avancer d'une couleur, et c'est celui-là qui changeait de forme. Hop. Voilà. Donc, ok, ça, j'ai compris. Je croyais que c'était n'importe quoi, mais c'est pas n'importe quoi. Donc ça, c'est l'ascenseur de chez Cyan, avec le langage de Riven. Voilà, c'est des numéros, en fait, ça, dans Riven. Et du coup, pour leur... pour leurs étages, ils ont... Enfin, pour leur ascenseur, ils ont mis les numéros du jeu plutôt que les numéros de la vie réelle. Très très bien. Très très bien, très pratique. J'imagine qu'en cas d'incendie, c'est parfait. Là, je vois Firefighter Operation, c'est pour ça que j'y pense. Donc, truc de pompier, là. Et donc, je sais que c'est des chiffres, parce que en regardant à gauche et à droite sur Riven, sans forcément se spoiler, on apprend très vite que ça c'est des chiffres, voilà, sans trop savoir comment ça rentre dans le jeu, comment, ainsi de suite, quoi. Donc ensuite jaune, rouge, rose, violet, bleu. Ah yes, ça c'est bien. Donc les bureaux des créateurs avec leur PC de développement. Lui il bosse avec deux PC. Classique, hein, classique, quand on a bossé dans l'informatique, c'est complètement... ça parle. Hein. Je me demande si ce mec est important, il est debout. Mais voilà. Et oui, des barbus qui font de l'informatique. Tout va bien. Ensuite, quelque chose de moins barbu. Un bébé de développeur. Mais non, je n'avais même pas. Je trouvais ça un peu surexposé, mais en fait, on n'a même pas la torche. C'est marrant, c'est que mon jeu est plus surexposé que le sien. Marrant, ça. Voilà, petit bébé, qu'on a aussi dans Half-Life. On a une photo de bébé dans Half-Life aussi. Tout est lié, vraiment, tout est lié sur cette chaîne. Voilà, tout simplement. Mes félicitations aux parents. Bleu, allez. Vert, jaune, rouge et rose. Et voilà, et ça doit être les bureaux de Cyan vu d'au-dessus, j'imagine. Et voilà, on a fait les 17. On en est à combien? 27 minutes, ça va. La dernière partie, la quatrième partie du guide s'appelle la fin du jeu. Donc les trois dernières easter eggs sont plutôt faciles à trouver. La première chose à faire, c'est d'avoir la bonne fin. Et de retourner à Myst après qu'Atrus vous ait donné après lui avoir donné la page blanche, quoi. Quand vous serez de retour, vous pourrez trouver des copies des trois autres jeux créés par Cyan. Et cliquer dessus va mettre un filtre visuel sur l'écran qui ressemble à l'esthétique de ce jeu. Voilà, de ce jeu en question. À l'esthétique originale de ce jeu en question, ils ont mis un filtre, quoi. Un filtre par le dessus, d'accord. Recliquer sur la copie enlèvera le filtre. Par contre, si on ne l'enlève pas, le filtre, il va persister quand on recharge le jeu. Et on peut utiliser plus d'un filtre à la fois, mais ça ne ressemble plus à rien après. D'accord. Donc, il y a un jeu qui s'appelle Manhole. Derrière l'horloge de Myst. On va aller voir si c'est là. Tiens, c'est quoi? Est-ce qu'on peut pas charger? Là, si on a Rhyme, ça veut dire qu'on a eu la bonne fin. Du coup, on va directement y aller. Ah! Il fait nuit. On attend? Il fait nuit ou... On va aller voir, on a une lampe torche. Hein.
Tac. Donc derrière la... derrière l'horloge. Alors... on n'avait pas pensé à faire le tour ici. Oh bah non. Comment ça se fait? Ouais... derrière la clock tower. Ouais, mais il faut y aller comment? T'en es bonne, toi. Est-ce qu'il y a... ah! Oh là là! Oui, oh là là! Oui, c'est... hop! Ah, pardon. J'ai cliqué en dehors de la... du jeu. C'est pas facile. Fallait vraiment glisser. Ok. Ah oui! D'accord. Manhole. Ouais. Manhole, disque 1 sur 5. Donc, the manhole, ça veut dire la bouche d'égout. Quelque chose comme ça, hein. Je vais vérifier ça. Mais donc, ça fait partie des jeux de Saiyan avant, j'imagine, avant Myst. Loin de référence, vas-y. Toujours. Toujours le site du plaisir. Quand il charge, il est encore mieux. Manhole. Ça ne veut pas dire autre chose que ça. Ça bouche d'égout. Bouche d'égout. Et manhole cover, ça veut dire plaque d'égout. Bouche d'égout, tout simplement. Okay, j'imagine qu'on... comme dans Myst, on tombe dans un trou. Hein, toujours pareil. Welcome to my hydrant. Could I interest you in a hot cup of tea? Ok. Alors, bienvenue quelque part. Est-ce que je pourrais vous servir une tasse de thé? C'est ce qu'on vient de nous dire. Ah, mais forcément, avec la nuit, ici, ça ne ressemble plus à rien, cette histoire. On va attendre le jour. Vous savez quoi? Ah, mais ça devait être un jeu sur Mac, alors. Cette esthétique-là, c'est les premiers Mac qui faisaient leur jeu tout en noir et blanc. Et c'est assez intéressant. Faudrait que j'émule 2-3 jeux comme ça, il y en avait des biens. Il y avait quoi comme jeu sur Mac, les premiers... ah, il y avait des jeux de point and click comme ça qui ont été faits sur Nintendo après NES, la 8-bit. Comment il s'appelait ce truc? Il y en avait un, on allait dans un château... hanté, un peu, tu sais, genre aventure médiévale. Il y en avait un autre, c'était un détective. Et puis, il y avait peut-être une maison hantée aussi, un truc comme ça. Du coup, je fais une coupure. Je bois un coup. Et en attendant que le jour se lève. C'est quand même pas mal, hein, c'est joli. Hein. Je sais pas, moi, ça me pose, ce genre d'ambiance. J'ai l'impression d'être sur la côte de la mélancolie. Allez, à tout de suite. Me revoilà. Je ne saurais même pas dire combien de temps après. Peut-être un bon 20 minutes. 20 minutes, une demi-heure. Il rigole pas, hein, le cycle jour-nuit dans ce jeu. Du coup, bon, je fais des trucs dans mon appart en attendant. On va retourner. On va retourner derrière. Ici, alors faut avancer, arriver à se faufiler. Ah, c'est pas simple, hein, vous voyez. Et retourner là, même là, c'est difficile. Ah, c'est intéressant. Faut y aller en reculant, faut faire comment? C'est marrant. Alors, faut peut-être ouvrir la porte. Et se faire éjecter, un truc comme ça. Ah ouais, c'est ça. Hein. Fallait ouvrir la porte avant. Je jure. Welcome to my hydrant. Could I interest you in a hot cup of tea? Et voilà. Ah ouais, quand même, c'est quelque chose. Ouais, c'est vraiment les anciens... Alors, est-ce que j'ai une sauvegarde ici? Je vais faire une sauvegarde, comme ça. Save. Hop. C'est quelque chose. Comme je vous disais, hein. Alors, pour vous, c'était il y a 2 secondes, donc je me répète, mais c'est vraiment la palette de couleurs du premier Mac. Machine très intéressante hein, pour le jeu vidéo. Un peu obscure, mais très intéressante. Là, quoi on a vu? Ok, oh, c'est intéressant. Non, non, mais vraiment. Comment, à quoi ressemblent les bouquins? Tiens, ça peut être intéressant de voir ça. Le mot du jour, c'est intéressant. Non. Ah, bon, d'accord. Ah bah, bravo. Tiens, celui-là, ouais, ok. Ils sont lisibles parce que... ils sont sur impression, et les bouquins des enfants... ah bah non, ils n'existent plus, évidemment. Évidemment, hein, vu qu'on est à la fin du jeu. Ok. Ouais, ok, très bien. Écoutez, on va aller remettre les graphismes normaux. Donc il y a encore 2 jeux à trouver. Il y en a un, je l'ai pas saisi encore, on va voir.
Et le troisième a l'air cool. Alors, il faut vraiment ouvrir la porte. Ah, l'astuce, c'est qu'il fallait ouvrir la porte. Ouais, c'est obscur. Voilà. On se retrouve à l'autre, à tout de suite. Nous voilà juste au début de l'âge sélénitique. On voit, en effet, une paire de dés. Donc là, on est dans le... dans la fusée. On voit une paire de dés. Très bien. Et donc, on est censé trouver... quelque chose, quelque part. Alors, comment il dit ça? Alors, à côté d'une paire de dés, machin, de dés en velours, quoi, en peluche. Comment on dirait? En fourrure. Fourrure, je pense. Alors, c'est censé être où? Ah, bah voilà. Donc là, c'est Cosmic Osmo. Ouais, Cyan Presence, Cosmic Osmo, et le monde, par-delà, le masque, la masquerie, quelque chose comme ça. Ok, et donc en cliquant dessus... Hello alien, welcome to planet, whatever, my name is Osmo. Ok, salut, je ne sais pas qui. Bienvenue sur la planète... Bon, c'est pas, ça n'a pas d'importance. Mon nom est Osmo. Et là, on peut faire le jeu en noir et blanc. Voilà. Et normalement, il faut faire attention parce que... voilà, la porte se ferme. Et on peut pas revenir. Donc, gaffe. Bon, après, c'est un filtre noir et blanc. Au bout d'un moment, tout va bien se passer. On connaît... on pourrait retourner au livre de Myst, hein, mais on va plutôt charger une sauvegarde. Hop. Et normalement, ce que ça va faire là, c'est nous laisser le noir et blanc. Voilà. C'est un petit style, quoi. Ça devait être un jeu, en effet, en noir et blanc, mais avec des graphismes un peu qui ressemblent à ceux de Myst. Voilà, Cosmic Osmo, si ça vous intéresse. On va, du coup, ben, retourner là. Et... annuler le... annuler l'effet. Quand il est là, ça rigole pas, il est là, quoi. Ensuite, on ira dans l'âge mécanique, au niveau de la boîte à musique, chez Cyrus. Elle aurait enfin une utilité. On va voir ça. Tac, voilà. Et revoilà la couleur. Tac, tac. Ça, on va le faire ensemble. Bon, non, on se retrouve dans la chambre de Cyrus, vas-y. J'avais dit que je ferai vite, à tout de suite. Nous voilà devant son trône. Alors ici, il y aurait quelque chose. Oui, une copie du premier Myst. C'est aussi une boîte à musique quand on l'ouvre. Ouf. Et du coup, on se retrouve avec la palette, à mon avis, du premier Myst. Bonjour, quoi. Ah, il y a un truc à faire avec ça aussi. Je crois que c'est un succès. Il faut le remonter tellement que ça va le péter. Mais c'est plus un succès qu'un secret. Je crois, hein. Allez, hop. Voilà. Eh ben, maintenant, tu l'as pété. Voilà, succès déverrouillé. Merci bien. Ah, il tournera plus ? Ah, oh, désolé. Ok. À quoi ça ressemble, du coup? Ah, c'est à l'ancienne, quoi. Ah, terrible. Ici. Ici, à mon avis... enfin, je l'ai vu... ah, il est là-bas! On le voit. Alors, vous voyez le bateau, là? Ça, c'est un... c'est un des secrets du jeu, aussi, qui n'est pas vraiment un easter egg, qui est juste dans le lore. Alors, vas-y... ah, je suis content. On va voir si on, a, on l'aperçoit sans filtre. Ah, c'est pas simple. Ah, voilà, à gauche de l'écran, on l'aperçoit. On va essayer de faire tourner le... voilà, comme ça, on devrait le voir au maximum. On l'a... c'est le fameux bateau. C'est un bateau qui... en fait, est celui des gens qui attaquent cet âge. Dans le lore, il y a ça, hein. Cyrus, je crois, qui se met de leur côté. Et qui, peut-être même avec Akenar d'ailleurs.
Mais en tout cas, il y a une guerre avec des bateaux et on voit notamment le symbole qu'il y a sur le drapeau, on le retrouve dans une des commodes de Cyrus. Bref, tout ça, vous l'avez vu avant. Et donc, on a ce bateau. On va essayer de faire tourner le bazar. Alors, pour faire tourner ça, on verra bien ce que ça donne. Pour faire tourner ça, il faut retourner chez Akenar. Je suis un canard. Alors, et donc ce qu'on veut, c'est l'ouest. Ça fait quel bruit? Sinon, on est au bout, hein. On est au bout des easter eggs. Vas-y, prends ton temps. Brrrit! Faut que ça fasse brrrit! Ok. On va essayer de faire tourner ça. Brrrit! Ok. Si tout va bien, c'est comme ça. Puis entre sol et puis on sort. Pour atteindre ça. Brut, ok. C'est assez long. Ok. Brit, voilà, on a fait brit. on va faire revenir l'ascenseur. Normalement, on va quitter à l'ouest et pouvoir se rapprocher du bateau grâce à la passerelle. Hein. Ça, c'est le plan. On va voir hein, si ça marche. Tac. Par là. Yes. Donc, on est comme il faut. Ah, on le voit à peine encore. On le voit mieux. On le verrait peut-être mieux du nord. Mais on le voit quand même, hein. Prends une capture. Paf. Comme ça. On le voit, quoi. Je me demande si on le voit pas mieux de cette plateforme-là. C'est équidistant, hein, comme ils disent. J'aurais bien aimé pouvoir y aller, zoomer, mais bon. Après, c'est des outils de triche que j'ai pas installés. On va tenter, on va tenter. La face nord. On se retrouve à la face nord, comme ça on perd pas de temps. Me revoilà. On est au nord, sur le petit îlot. Et on voit encore ce bateau là-bas. Vraiment, si on insiste un peu, on le voit. Donc, si en changeant le FOV, est-ce qu'on peut changer le FOV? Je pense pas, hein, c'est pas. Non. Non, non, non. Ah, focus effect. Ah. Quoi, ça, motion blur, j'aime pas ça. Peut-être le focus effect qui nous empêchait de voir tout à l'heure le Dexter comme il faut. Pour tester, hein. Tant qu'on y est. Bien. Focus effect, ça veut dire que. Ah ouais, ça fait plus de flou, attends. Bien, on y va. Mais ouais, ce bateau, quoi. Le bateau dont on nous parle dans les livres. Alors, vite, 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 vers la hache. Me perds toujours, alors que c'est juste un couloir. Ah oui. Ok, ça va plus. Ça va plus faire de flou, c'est pas mal. Dexter, on le voit bien. Le was here. Dexter, ouais. Was here. Ouais, vraiment. Ouf. Même comme ça, c'est pas simple. Dexter, on le voit. C'est pareil. Dexter was here. Ouais, c'est pareil. On le voit à peu près bien, quoi. Non, quand même. C'est bien subtil. Voilà. On a fait le tour, hein. Ok.
quitte enfin ce jeu. Où est-ce qu'on va aller? Tiens, là, juste à la fin. Enfin, avant d'aller dans Rhyme. Donc là, c'est la fin, et là, c'était avant d'aller dans Rhyme. Voilà. Dernière fois, il fera nuit, là, je crois. Mais... Ah non, le jour reste, c'est marrant, ça. Ça dépend pas de la sauvegarde. Si? Oh, je sais plus. Ah non, parce qu'on a recommencé tout à l'heure ici. Bref, ça dépend bien de la sauvegarde. Voilà, voilà. Merci d'avoir regardé ce let's play jusqu'au bout. Le let's play de Myst. Ce joli jeu. Bien fondateur pour plein de choses. Bien ambitieux à l'époque et qui reste tout à fait agréable à parcourir aujourd'hui. On se retrouve les dimanches prochains avec un petit let's play, les deux prochains dimanches avec Clémence. Et voilà, tout simplement. Puis après, on verra, on continuera sur d'autres choses. Merci à ceux qui ont regardé ça jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut.